Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Aujourd'hui on se retrouve pour un glitch d'argent illimité via le casino. Donc tout simplement c'est un glitch qui va nous permettre d'avoir pas mal de jetons, donc avoir pas mal d'argent. C'est un glitch qui est en 100% solo, mais il faudra quand même pas mal de prérequis. Il vous faudra le casino avec la suite avec Terrace. Après pour ce qui est de la suite avec Terrace, vous n'êtes pas obligé de prendre le plus cher, vous prenez celui à 1 500 000. Mais par contre il vous faudra quelque chose d'assez cher. C'est le gars qui fait le blackjack, etc., le personnalisé qui coûte à 1 million. Donc voilà, il faudra absolument avoir ça pour avoir beaucoup d'argent. Après, ce glitch est réalisable aussi au casino de base, mais vous allez gagner moins d'argent, donc c'est moins cool, quoi. Donc voilà, donc on va se retrouver tout simplement sur le jeu. Donc comme je vous ai dit, il vous faudra du coup le casino avec la suite du coup du casino. Moi, vous pouvez bien voir, j'ai rien mis, j'ai juste pris le goupier, je crois que ça s'appelle. J'ai juste pris ça parce qu'en soi on s'en fout, mais c'est ce personnage là qui va pouvoir nous donner beaucoup d'argent parce qu'on pourra miser jusqu'à 50 000 $, alors que dans celui de base vous allez pouvoir miser que 5 000. Il me semble que c'était que 5 000, donc c'est pas énormément rentable, quoi. Donc voilà, alors pour commencer il faudra des jetons, donc il faudra 50 000 jetons au minimum pour pouvoir miser le plus possible. Donc moi j'ai pile poil 50 000 jetons. Ensuite ce qu'il va falloir faire, il va falloir du coup se mettre sur la table, il va falloir jouer au blackjack. Je préfère préciser que je vous conseille quand même d'abord de regarder les règles du blackjack pour que vous sachiez ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer en vite fait, mais voilà, vaut mieux apprendre. En gros, le but, c'est simple, vous avez des cartes et vous devez atteindre le 21, donc avoir 21 points, ou avoir en dessous. Mais faut pas dépasser 21, sinon vous sautez et vous perdez. Et vous jouez du coup contre un ordinateur, qui cet ordinateur aussi doit faire donc un score plus élevé que vous, sans dépasser 21. Donc moi maintenant, je vais vous mettre beaucoup d'avance rapide, mais je vais juste vous expliquer parce que j'ai gagné au moins 6 ou 7 fois d'affilée, donc c'est vraiment super rentable. Après ça va dépendre de vous et de si vous savez jouer, parce que je vais pas vous le cacher, après la vidéo j'ai essayé 3 fois, j'ai perdu 4 fois et c'est vraiment vrai. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer plus en détail. Alors en gros vous aurez du coup des cartes, vous allez devoir miser donc 50 000 le maximum, il va falloir miser et en gros comme je vous l'ai expliqué, il va falloir pas dépasser 21. Donc voilà, vous pouvez voir que là j'ai gagné 100 000 jetons parce que j'en ai misé 50 000. Il y aura même un moment où je vais doubler la mise. Doubler la mise, ça veut dire que vous allez remettre 50 000 jetons pour avoir une carte. Et du coup, si vous gagnez, vous n'allez pas gagner 100 000 mais 200 000. Du coup, vous gagnez le double. Vous allez pouvoir voir aussi durant cette vidéo qui sera en accéléré. Vous allez voir qu'à chaque fois que je gagne, je sauvegarde. C'est très important. J'insiste bien sur ça, que c'est très important de sauvegarder. Parce que si vous ne sauvegardez pas, au moment où vous allez perdre, donc c'est là où est l'intérêt du glitch, c'est quand vous allez perdre, il va falloir relancer votre jeu le plus vite possible. Sauf que si vous ne sauvegardez pas, comme moi là je vais le faire, donc on fait pavé tactile, on change juste de tenue. Voilà, vous changez de tenue, vous mettez un accessoire, on s'en fout. Il faut avoir ce rond de sauvegarde que vous ne voyez pas parce qu'il y a mon logo, mais vous sur votre écran, il y aura un rond de sauvegarde orange qui va apparaître. Et c'est grâce à ce chargement là que vous allez pouvoir sauvegarder vos gains, donc vos jetons. Si jamais vous ne vous sauvegardez pas et que vous oubliez, et qu'au moment où vous relancez le jeu, vous n'avez pas sauvegardé vos jetons d'avant, et bien force à vous parce que vous n'aurez plus de jetons, vous aurez juste votre perte, et force à vous tout simplement. Donc comme je l'ai dit, c'est pas magique, c'est vraiment un peu comme le vrai jeu du casino, parce que là j'ai gagné au moins 6 ou 7 fois d'affilée, mais après j'ai perdu 4 fois, donc c'est vous et votre chance, mais faites vraiment attention. Après du coup, pour ce qui est du glitch, au moment où vous voyez où vous avez perdu, et je dis bien au moment où vous avez vu que vous avez perdu, vous relancez votre jeu, vous cherchez rien, pas à comprendre. Voilà, vous relancez votre jeu, vous allez sur Play ou sur Xbox sur votre menu et vous quittez le jeu. Et sur PC, vous faites Alt F4 et vous quittez. Si jamais vous ne sauvegardez pas, il va falloir tout recommencer, vous allez tout perdre. Donc, j'insiste vraiment sur ça. Après, c'est pas un glitch compliqué, il faut juste être attentif. Et encore une fois, je pense qu'il faut voir un peu les règles du blackjack pour vous capter bien le jeu. Mais bon, moi, je suis pas un grand joueur. Donc, voilà, je préfère vous le dire. Après, c'est un glitch qui est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir faire un maximum de jetons, donc un maximum d'argent. Après, évitez de trop en abuser parce que vous allez pouvoir faire bannir si vous mettez tout d'un coup. Voilà, évitez, faites ça avec précaution. Donc voilà, c'est rien de compliqué après en soi. Vraiment, vous jouez, vous misez, vous priez si vous gagnez. Vous sauvegardez, voilà, comme là à l'écran, vous sauvegardez votre tenue, enfin votre jeu plutôt. Et ensuite, vous allez tout simplement recommencer. Donc dans le cas où vous allez perdre, là c'est le moment où je vais perdre, vous allez voir. Au moment où j'ai vu que j'ai perdu, j'ai tout simplement relancé mon jeu. Donc moi, je vais faire une petite coupure, je serai directement dans le jeu. Mais sauvegardez bien mes jetons. Vous allez voir que j'ai 327 000, je vais perdre, je relance immédiatement le jeu. Donc regardez bien. Là, c'est de retour sur le jeu, vous allez voir que j'ai bien mes 327 000. De toute façon, si vous ne me croyez pas, essayez, relancez votre jeu et vous allez voir que vous allez garder votre argent. Donc voilà, c'était un petit glitch, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est
pas un glitch pour les millionnaires, c'est plus un glitch pour les gens qui débutent et qui ont assez d'argent pour prendre la suite et prendre le groupier personnalisé. C'est ce que je vous conseille de faire pour faire un maximum de jetons et avoir un maximum d'argent pour pouvoir acheter les autres business. Donc voilà, c'était tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'est un glitch en 1.68 en solo, donc profitez-en, n'hésitez pas à partager, ça me ferait super plaisir. Merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent et nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.